avec l'ambassade de France plusieurs tournées en Ouzbékistan et j'ai eu le plaisir au cours de ces tournées de rencontrer des intellectuels, des artistes ouzbeks, des musiciens, des gens qui m'ont bien accueilli et j'ai appris à aimer la culture d'Ouzbékistan. L'échange des cultures enrichit tous les projets que l'on peut monter. Chaque région d'Ouzbékistan à ses danses, à ses musiques, à ses traditions, à ses coutumes, à ses costumes. Donc moi je pense que, sans être pédagogique, je pense qu'il est important d'expliquer un peu ces choses aux gens plutôt que de transférer des choses comme ça devant un public. Mais nous avons commencé par la poésie un jour, à l'ambassade, puis par la musique, puis un peu de danse, aujourd'hui le cinéma. Et je pense que nous avons intérêt à élargir ça aux arts graphiques, à la condition d'expliquer un petit peu comme on a fait pour le cinéma. Sinon, nous en Occident, on ne comprend pas toujours les choses. Aujourd'hui, en collaboration avec la compagnie française Lire Autrement, grâce à son président Jacques Panier et à sa fondatrice Simone Hérault, nous voudrions vous proposer quelques œuvres poétiques d'Alisher Navoi et des compositions musicales des compositeurs d'Ouzbékistan interprétées par des artistes professionnels. J'espère que cette manifestation vous permettra de mieux connaître l'art et la culture richesse de mon pays. Je vous remercie de votre attention et de vous souhaite une très agréable soirée. Merci. La culture en Ouzbékistan est fondée sur son histoire millénaire. Un peuple ouzbek passionné par la culture française, aimant la France et les Français. Aujourd'hui, les Français, c'est le plus gros pourcentage de touristes en Ouzbékistan. Mais quand ils vont en Ouzbékistan, ils voient les grands monuments, Samarkand, Boukhara, Kiva, etc., Urganch, les musées, etc. Mais moi, nous avons creusé, nous, en profondeur, avec les poètes, avec des musiciens, comme tout à l'heure. La culture française, parce que vous faites des études en France, c'est ça ? Voilà, il a 16 ans. 14 ans. Et elle a souhaité dire en français quelques gazelles du poète Lavoy que nous allons vous présenter après. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici et je vais vous citer maintenant une poésie de l'Alisher Navoi. Celle que je désire ne me regarde pas et celle qui me cherche, moi, je ne vois pas peur. Je dois prendre la flèche de celle qui me cherche. Celle que je désire ou ne désire pas. Que ferais-je des fées ou des belles souris? Elles m'entraînent de noir avec un chant de sourire. Je ne veux pas la lune, je ne veux pas le soleil, ni mon cœur ni mon corps ne souhaitent leur charme. Je ne veux que ma balle, ma folle, ma vraie meurtrière, qui vient qu'à coller dans mon cœur en ruine. Oublie le ciel, toi, ne te trompe pas. Ne sois pas trompé, la mort ne peut pas te prendre à tout coup. Quand cette lune lui de son visage ardent, d'un bruit pour la sauver en cas de mauvais sort, J'aime bien la poésie. Dès que j'étais un petit enfant, quand j'avais genre 5 ans, j'apprenais la poésie à l'école, les fables de La Fontaine, etc. Et avec l'âge, j'ai commencé à apprendre d'autres poésies, plus romantisme, comme Verlaine ou Baudelaire, encore Victor Hugo et Les Misérables. Et je trouve ça très passionnant et j'adore ça, j'aime bien. Tu porteras ces pas menant à la beauté, sans espoir qui vient se dévoiler enfin. Et je vais raconter maintenant. Oh, la vie, fragile maintenant la maison de ton cœur. Nous avons fait des tournées dans les provinces les plus reculées et on a pu se rendre compte d'une manière absolument incroyable que les Ouzbeks étaient passionnés par la France, par la langue française. Et ça nous a fait un grand plaisir et on a pu leur donner tous les textes que nous aimions et apparemment ça leur faisait très plaisir. Alors on mélangeait de la musique avec, on a fait le Petit Prince, on a vraiment essayé de leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre avec de la musique, quelquefois un accordéon, enfin c'était vraiment très très charmant. Mmh.
Quel bonheur si tous les deux, nous étions ivres, là, au jardin de l'Union. Si mes mains, gentiment, lui caressaient la nuque, ma bouche à son oreille, ma tête se nicherait enchantée au creux de son épaule. Si ensuite mon front reposait à ses pieds, rempli de tous les cris et rempli de suppliques, si encore et encore je caressais sa joue, admirant sa douceur, magnifiée par le vin, douce comme les fleurs du jardin embaumées de ses traits si parfaits. Et si je consommais comme de l'eau de vie, le vin qui forme perle aux pétales des lèvres, essuyant tendrement les larmes de la joie qui couleraient alors comme de la rosée, glissant tout doucement sur sa gorge d'alba. Parfois, je me reprends, contrôle mon action pour essayer d'agir d'une façon admise, alors que je me trouve au zénith du plaisir, à ce moment divin, prendre sa taille fine. Alors, qu'arrive l'aube s'il arrive quelque chose, car rien ne serait beau comme une nuit d'ivresse à prendre cette fleur en cet instant fleuri. Le temps m'offrira-t-il une pareille joie, ce temps qui me tourmente lorsqu'elle n'est point là? Narolli, qui es-tu donc et que prétends-tu là? Quel est ce vin si fort qui te trouble l'esprit? Quand le chien boit du sang, il se doit regarder sa tête dans l'écuelle. Ce sourire est remède à ma triste langueur, à celui qui se meut le souffle de Jésus, ainsi que l'eau de vie vienne à son souffle. Ressens comme je pense le souffle de Jésus ainsi que l'eau de vie, à ce que la rupture a privé de leur âme, l'union à son amour devient la nécessité. En amour, le remède n'est pas une potion au médecin. Et sans la réunion, il n'y a guérison. Ma belle le sait bien. Ne plus être avec elle m'a rendue bien malade. Si elle avait pitié, je guérirais bientôt. Sans espoir, mon logis dans mon cœur si triste, ô ma belle aux yeux noirs. Et pour les faire vivre, un seul regard suffit. Tu me montres tes traits qui se trouvaient jadis cachés par tes cheveux. Pour ceux qui sont dans l'ombre, la clarté de la foi est une émotion. J'écoutais du Bach toute petite, je voulais jouer du violon, je voulais jouer du Bach, je voulais. Voilà, c'est un. Je pense que c'est un style qui, quand on a besoin de repères, un peu de contraintes aussi, je pense. Quand on a besoin de profondeur et d'être élevé, c'est quelque chose qui nous aide. On est à la fois évidemment dans la tentative de transcendance, on va dire, et à la fois très prosaïquement ramené à des choses stupides, du bonbon qui est du papier de bonbon qui est froissé, à la page qui tourne pas bien, à la pédale qui grince, à la robe qui serre, enfin, voilà. Donc c'est un peu comme la vie en fait. Thank you.
Voilà, nous allons maintenant recevoir en qualité d'ambassadeur du cinéma d'Ouzbékistan, mais aussi pour vos qualités d'homme de lettres. Je sais pourquoi vous avez choisi cette difficile. Ce n'est pas une profession, c'est un rock, c'est une судьба. Ну, с детства, конечно, я любил книги, литературу, а в том числе французскую литературу тоже. Бальзак, Стендаль, Мопассан, Флобер, Франсуаза Саган. А по душе я литератор. Mais dans l'âme, je suis un écrivain. Сегодня начал и надеюсь Et donc j'ai commencé en tant qu'écrivain et je pense que ce serait vraiment le résumé dans mon passage dans les lettres et dans les arts, c'est d'être un écrivain. Je pense que les lettres, c'est un art, c'est une sphère qui est au-dessus de toutes les sphères. Bu yerde ne makul tarafı sinem? Yol busun. Yürüyün abar koyama.
Mullaka. Mullaka. Yo'l bermadi ergash qul. Xudo haqqi bu zaifani bir balosi bor. Shu boshlayman deng nafasim qaytib ketaveradi ya. Ya mullaka, boriga baraka deb o'qitashavermaysiz. Astag'firulloh deb gapiring inim. Mulla akangiz qilgan nikoh hali biror dafa zaha yemagan. Ha, qo'rqdim. Allohdan qo'rqdim. Hozircha zaks paks qilib turarmiz dadasi. Hay 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 hay. Boshqa biror. Ana u marhumani arvohini chirqillatmoqchi bo'lib bu daruxonani naqs bostirishini istasalaring, ixtiyor boshimo kelin. Mayli, bizga ijozat. Mayli. Allohu akbar. Ya. Потому что Арим там помог невесту. И посоветовавшись, они решили выдать замуж. Mais je crois que c'est important aussi de témoigner qu'en Asie centrale, il y a un mélange des cultures. Et on l'a vu ce soir, il y a une grande perméabilité, une grande porosité dans le fait qu'il y a eu des moments musicaux russes, il y a eu une expression d'une vraie créativité, on parlait de l'importance des cinémas d'auteur, une vraie créativité ouzbek. Hey! Bien reculé!